Est-ce que notre appart est le meilleur du YouTube game français? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui car nos potes youtubeurs vont venir tester et juger nos installations. Oh ouais! Au programme, des saltos sur une piste gonflable rebondissante. C'est un gymnase, c'est pas un appartement. Un bain glacé en plein hiver. Du Ninja Warrior à la maison. Et le moment que vous attendiez tous, on va sauter de notre toit sur le airbag géant. Mais on commence tout de suite avec nos premiers invités. Les amis, c'est parti, on va gonfler le air track pour faire quelques acrobaties. Tu nous montres un petit plongée roulade. Oh, j'arrive pas à charger, j'ai toujours pas de côté. Vin, tu veux qu'on te parte sur un salto arrière? Ah ouais, ah, je veux bien, ouais. Eh, je veux un pouce bleu pour Vin là. Ça fait longtemps qu'il a pas fait. Allez, arrêtez de parler là, je me concentre le vite. 1, 2, 3, go. Oui! Voilà! Les amis, je pense que vous savez quoi faire. Vous vous abonnez directement à Vin, voilà. Vin, qu'est-ce que tu penses de l'appart? C'est protéiforme. Le décor est un peu hétéroclite par contre. Il a du vocabulaire. C'est ça, contrairement à moi. Ouais. Ok, donc du coup maintenant, Johan, pour que les gens ils aillent s'abonner à ta chaîne, il faut que tu fasses un challenge. Tu vas devoir te suspendre là, sur cette barre, et tu vas devoir balancer et quitter en salto. Genre, je peux faire un truc du genre comme ça. Voilà, validé. Mais si c'était parti pendant mon salto. Imagine, je vais trop loin et mes pieds s'accrochent. Mec, mais t'as une imagination plus grande que ta connerie, quoi, ça. Johan, j'ai un challenge. Moi aussi. Salto arrière, je percute salto avant. Waouh. Et attends. Oh, oh ah, si j'allais beau. Dire, celui qui perd, il a un gage. Oui. Oh. Qu'est-ce que tu penses de l'appart, Johan? Il va falloir nous inviter plus souvent. Tu choisis le salto que tu as envie de faire et il faut que tu mettes donc salto et directement boum, panier. Oh, oh. Ça balance sur la caméra. Il est forcément testé presque pour l'été. Ouais. Johan, j'ai un challenge pour toi. Okay. Salto avant, percuté, on attrape la réglette, la grosse. Ok. C'est pour ça qu'on est là. Oui, ah, voilà. Je vais pas finir. Si. Ah, ok. Oh putain, oh. C'est quoi ça? Tu sais quoi? On va se mettre à grimper. Il ramène quoi? Il ramène des piolets pour qu'on fasse de l'escalade en piolet. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ah non, moi ça... Ah, ça doit être horrible. Et en plus, croiser les piolets, c'est pas évident, ouais. Oh oh. Yes, super, Melou. Yes. Allez. Oh, c'est trop bien. Attends, faire ça. Simon Noguera est là, les amis. Yes, propre. Je fais la main de gel. Ouais. En fait, c'est trop bien ce mouvement parce que t'as vraiment l'impression quand tu les regardes, ça s'arrête et après ça retourne, tu vois, comme dans les films. Ça passe. Oui, bravo. T'étais là et tu vois le crochet faire. Je suis deg, ça me saoule. J'ai trop envie d'apprendre à faire. Ça fait mal, mais ça va. Qu'est-ce que tu penses de l'appartement, Simon? Moi je suis super fan, c'est un gymnase, c'est pas un appartement. Ok, acrobatie sur le air track. Oh. Oh. Maintenant tu fais le demi. J'ai un super challenge. Salto arrière, macaco, resalto arrière. C'est trop bien. Salto arrière, macaco. Mel, tu sais ce que c'est le Lloyd? Non. C'est la roulade vrillée, c'est trop stylé. Ah oh, là, il était bien là. Tu sais que c'est grave stylé, c'est méga beau. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas. Les amis, si vous auriez kiffé avoir ça dans votre salon, mettez un petit pouce bleu. Donc là, le but, c'est salto arrière à partir de la corde. Oh, oh, tout ce que je fais, ça réussit. J'ai trop envie d'essayer. Allez, petit chat. Oh. Imagine, t'as tes comme ouais, j'ai échappé la corde. Allez, salto arrière de Mel, on l'aide pas du tout, les gars. 3, 2, 1, allez, on voit. T'as dégroupé en l'air. Oh. Yes, I, yes, I, yes, I. Yes, I. Yes. Notre ami Clément Dumay est arrivé. Qu'est-ce que tu penses de nos installations sportives là? Moi je pense que c'était pompé sur mon appart. Ah le bâtard. Il a grillé. Allez, let's go échauffement les gars. Et Clem, je t'ai mis des tapis parce que je sais que t'es un peu douillé. Quel salopard. Premier challenge d'escalade que je ne vais pas faire, ça va être de grimper de corde. Quoi? Mais je suis pas venu pour ça moi.
Allez, tout en haut, tu dois toucher le nœud, tu dois toucher le nœud. Oui. Il a fini son entraînement. Fin de vidéo. Vous allez devoir traverser tout l'escalier juste avec ces prises-là. Ouais, faut toucher que les grosses en bois. Tu vas en contrôle, à l'aveugle. Voilà. Oh, par les petites, regardez, regardez la taille des petites réglettes. Il a pas touché, hein. Allez. Allez. C'est bien, ça t'entraîne pour Ninja. Apparemment, t'as des petites difficultés sur les réglettes. Allez, mes pieds. En fait, vous me faites rire, putain! Faut bien te mettre des handicaps un peu. Clem, si tu l'acceptes, le prochain challenge, ça va être de faire la traversée à partir des deux prises bleues jusqu'à la dernière réglette en utilisant le moins de prises possible. Je précise, moi, on m'invite, on me taxe ma magnésie et on me fait faire des défis. Alors, j'ai rien demandé, je sors de table. Allez, tu peux y arriver. Oui! Oui, oh là là. Remarque, t'as une allonge d'albatros, hein. Tout de suite, un photomontage avec la tête de Clément sur le corps d'un albatros. Ah, tu vois, tu le touches. Non. Ah, ouais, il l'a touché. Ah merde. La tête dans le plafond. Oui. Et là, tu redemi-tour. Ouais, t'as joué. En attendant Clem, je te propose un challenge, c'est de faire le pegboard en commençant d'ici et en mettant les deux bâtons ici et ici, okay, avec le moins de mouvements possible. Ah, vas-y Clem, allez Clem, continue à défoncer la barre. Oui. Tiens. Non, c'est bon, ça va revenir. Il fait une petite valse. Oui. Voilà. Allez babe. Allez encore. Dernier là-haut. Voilà, oui. Les lunettes de bourré, les amis, vous les connaissez. Il prospecte toute la zone, il fait un quadrillage, le mec. Allez, Clem. Tu t'essayes aux lunettes bourrées sur le pegboard. Ouais. Check moi. On dirait vraiment une mouche avec ses gros yeux là. Allez, voilà. Mais j'étais dedans. C'est ce qu'elles me disent toutes. Bon Clem, qu'est-ce que t'as pensé de nos installations sportives qui sont inspirées de la poutre en mieux? Je vais déposer une plainte immédiatement. Vraiment stylé pour le coup, c'est vrai que l'escalier là, il y a un bon délire là en dévers, j'ai bien kiffé. Je pense qu'il te manquerait juste de pouvoir tapisser tout le mur jusqu'en haut, tout le plafond. On passe à la prochaine partie. Let's go. Après la partie acrobatique et escalade, il y a aussi plein de potes qui sont venus tester notre bain glacé sur notre terrasse. T'as eu caille sa mère en vrai. Oh nique sa mère, j'ai arrêté, ça fait combien de secondes là? Mais on va pas s'attarder dessus, parce qu'il y a Antoine de la chaîne Scoot de Street qui arrive tout de suite pour tester le airbag. Bienvenue dans le palace mon gars. Là, ah mon gars, c'est kiffé. Incroyable, oh là là. Comment on se croirait à New York, tu mais sais. T'as vu, t'as la skyline, ouais, ouais, de la défense. Oui. Devine où est l'airbag là. Ah c'est ça là. Ouais, yes, il est derrière. Il doit être énorme, non? Ah ouais. Oh le monstre. Il est haut comment? Bah en fait il fait tout le salon. Genre vraiment il fait tout le salon. Fais ta taille en hauteur. 1m60. Putain c'est trop stylé. Et en longueur? 4m50 sur 2m70. Tu vas avoir premier niveau, tu vas sauter d'ici. Deuxième niveau, tu vas sauter de là-haut. Troisième niveau, tu vas sauter du toit. Qui va devenir important dans pas longtemps, Oh, oh je me suis pris la tête dedans. Ça te dit pas quelque chose mon gars ça? Mais si, c'était qu'on était ensemble. Grave. Vous rappelez les gars, il a assuré sur la vidéo cascade là. Allez, on va passer aux choses sérieuses mon gars. Je suis là pour faire des dingueries là. Allez. Même si je suis pas très fort en salle tout ça, on va se la donner. Hein. Le bon gros bébé. Ah ouais, ok, d'accord, ok, il est balé. 3, 2, 1. Ah ouais. Allez c'est parti, niveau 1. En fait Charles aujourd'hui c'est le crash test, on est d'accord tu vois. Comme ça s'il y a un problème, bah c'est pas mon problème. Oh là là. On lance à l'autre d'un. Ah ouais c'était malade. C'est incroyable. 3, 2, 1. Allez les amis on passe au niveau 2. Vous vous rendez pas compte mais en fait c'est tellement addictif. 3, 2, 1, go. Ouais. Ça fait 10 000 ans que vous attendiez de voir le airbag dans notre appart et à sauter dessus, bah voilà les gars. Hey, c'est vous qui chillez comme ça dans la piscine. Ok le mec il travaille tranquille et tout, il prend pas ce café, c'est parti. Et fait une sortie. Oh, oh le malade mental. Ah. Mélanie, tu peux l'arriver. Spider-Man. 3, 2, 1, go. Ah le twerk. Est-ce que tu m'autorises à faire un trick moi aussi? Allez. Fais un aveu que t'as jamais avoué en tombant. Je fais plein de trucs de malade mais je dors tous les soirs avec un doudou.
Allez, pareil, tu fais un aveu. Je t'aime. Oh, c'est mis. On peut pas le mettre en bas et on saute du 7ème. Mec, alors là. Le moteur est prêt. Et tu sais qu'ils ont été 10 000 à vouloir voir le airbag dans notre appart. Juste un conseil, frère. Tombe pas dans le bain froid, il a 5 degrés. Ouais, ouais, non. 3, 2, 1. Est-ce que quand même t'as le stress? Non, en fait, de voir aller. Je te jure pas du tout. Je te jure pas du tout, j'ai trop envie. Allez, les gars, c'est à nous, on va monter sur le toit. Ok, regarde, regarde dans le vide, regarde dans le vide. Mais la vie chaude pas. Ah ouais, la réaction d'ici c'est pas du tout la même. Non mais je vais juste rentrer chez moi hein. Les gars, mettez un pouce bleu parce que là ça va envoyer. Il y a un airbag tout en haut sur le rooftop d'un immeuble. On va sauter, c'est parti. Je sais pas projeter ça. Antoine. Allez vas-y mec, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais voir ça. Regardez, allez, mais c'est un malade. Il y a 9 étages, c'est des malades. Ok, allez, 3, 2, 1. Oh, oh, oh mon gars. Oh, à l'envers, t'as l'impression que t'atterris jamais. Oh la sensation, mec, c'est ouf. C'est ouf. Ok, j'y vais. En vrai, juste faire ça, ça fait peur. Ok. Vous êtes des ouf. Vous êtes des malades. Ok. Attendez, je fais mon cadrage. Là, t'es bien dans l'axe, ouais. Non, mais là, t'es bien là. Ok. Oh, j'ai trop peur. Ok. Là, t'as juste à te laisser tomber, ouais. Allez, courage, mec. Ouais, j'ai trop peur. Oh oui! Oh, vraiment? Il a poussé des hurlements! Oh là là, la sensation, c'est trop stylé! En vrai, ça fait beaucoup trop peur parce que t'atterris dans un airbag. Mais le airbag, il est comme ça, il est tout petit! Même si je l'ai déjà fait une fois, le refaire une deuxième fois, ça fait trop peur. Ok, décompte! Tu te laisses juste tomber. 3, 2, 1, go mon gars! Go mon gars! Waouh! Waouh! La peur, c'est que mec, j'ai eu 10 fois plus peur que tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai pas regardé en arrière. Mais t'as vu, ça fait trop flipper, tu sais pas quand t'atterris. L'adrénaline de malade! C'est incroyable! Oh, gars, c'est incroyable! Yes. Putain, les gars, abonnez-vous! Abonnez-vous! Y'a que ça à et dire! Et merci à tous les participants de la vidéo!